Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Laurence. Bonjour Laurence, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 19-05-81. Oui. D'accord. Alors, Laurence, s'il vous plaît, posez-moi votre question fort et clair. J'aurais simplement souhaité savoir si une rencontre que j'avais faite il y a 2-3 mois pouvait aboutir à quelque chose. D'accord. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance ? Alors, il s'appelle Mathieu. Oui. Date de naissance, le 8 décembre 80. D'accord. Alors, moi, tout de suite, ce qu'on me dit par rapport à Mathieu, un T ou deux T, Mathieu ? Un T. Un T, d'accord. Par rapport à... C'est comme ça que je l'avais écrit, donc c'est parfait. par rapport à Mathieu, j'ai l'impression que lui, là, il est un peu indécis, dans le sens où, pour moi, il a encore une ex qui lui trotte dans la tête. Donc c'est ce qui fait que, voilà, monsieur n'est pas toujours très très clair. Oui. C'est pas grave en soi, Laurence, pour moi. Je vous explique pourquoi. Oui. Je vous explique pourquoi. Parce que ça va se classer dans sa tête. C'est surtout ça le plus important. C'est pour ça que c'est pas très grave. Et ce qu'il faut en fait pour Mathieu, c'est qu'il il passe le cap du passé. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup regarder derrière lui, beaucoup regarder le passé, et pas forcément arriver à se projeter vers l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le passé, c'est les choses qui ont existé, ça le sécurise et ça le rassure. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec les changements, beaucoup de changements, c'est quelque chose qui le déstabilise. Donc effectivement, le fait d'être dans ce passé lui permet d'avoir cette impression de stabilité, ce qui n'est pas une réalité, mais c'est comme ça qu'il le ressent. Pour moi, petit à petit, là, je lui donne, allez, 2 mois encore maximum. Oui. Et il classe la situation dans sa tête définitivement. Donc il va finalement pouvoir être prêt, libre, disponible, frais, pimpant, ouais, pour vous. D'accord. De toute façon, vous ne le laissez pas insensible, et ça je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mm-hmm. Hein, quand même. Oui, oui, c'est vrai. On est d'accord. parce que c'est quelqu'un quand même de relativement sentimental, hein, un peu fleur bleue sur les bords quand même. Et ouais, tout à fait. Ce qui est quand même rare chez les mecs, faut être honnête. Complètement. Hein ? Donc je pense aussi c'est ce qui vous a séduit un petit peu, beaucoup, et donc vous allez pouvoir avancer. Je vous donne 3 voire 4 mois à partir de maintenant pour être dans une relation claire, nette et précise avec lui. D'accord. C'est quelqu'un par exemple qui a besoin de voyager. Ce besoin de voyage, c'est important pour lui, et dès que les finances le permettent, c'est quelqu'un qui va voyager. Oui. Donc ça va vous convenir, ça c'est un truc qui vous plaît. Ensuite, Mathieu, il a tendance à se prendre un peu la tête dans le boulot. Ah, peut-être. Je ne sais pas plus sur son boulot, mais ouais. C'est quelqu'un qui est extrêmement consciencieux, qui a tendance réellement à, comment dirais-je, à vouloir trop en faire au niveau du travail. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher l'univers professionnel. Et ben c'est ce que vous allez lui apporter, c'est le côté lâcher prise un petit peu, lâcher prise sur sa vie de manière générale pour que les choses puissent se mettre positivement, et puis lâcher prise sur le travail pour lui permettre et pour vous permettre d'avoir une relation constructive et au long terme. D'accord. Hein ? Mais pour moi, on a quelque chose d'assez intéressant là avec Mathieu. Hein. D'accord, donc vous voyez plutôt la chose positive. Pour moi, oui. Pour moi, il classe les choses, donc forcément, il avance. Ça, c'est sûr. Hein? Pour eux, ouais. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez beaucoup à l'écoute de Mathieu, parce que c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup en stabilité dans la relation sentimentale. Donc, il faut vraiment que vous soyez à cette écoute-là. C'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter une stabilité. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment s'impliquer, parce qu'il y a de l'engagement dans l'année qui va venir, un engagement dans la relation, et quelqu'un qui va vouloir aussi créer un cocon familial. C'est une stabilité, d'accord, qu'il a besoin. Il a vraiment cette envie de créer une relation de famille, une notion de famille. Donc il faut surtout que vous ouvriez les portes et que vous soyez à son écoute. Il va pouvoir vous emmener très loin. Aujourd'hui, il vous laisse un petit peu en suspens comme ça, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que vous le laissiez mener les choses. Il va vous permettre d'avoir vraiment cette notion de famille, de relation constructive, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous construire vous aussi de votre côté, Laurence. D'accord ? D'accord. Très bien, c'est entendu. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Merci. Bon courage, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.